Salut les gens, c'est Tardarine. Bienvenue dans ce nouvel épisode avec votre bande de joyeux mercenaires psychopathes. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Ou la bande de mongols préférée. Oui, on est nos teuteux préférés. C'est ce qu'on s'est dit dans l'entre-deux épisodes avec beaucoup d'amour. Oui. Alors, on va par où maintenant? Ah bah, je vais vouloir. Bah par là. Il va falloir aller à gauche, là où il y a la... Je parle à la statue. Vas-y, parle à la statue. Alors écoutez bien, parce que celle-là, par contre, moi je la trouve un peu... Justice, éliminer machin, rétablir l'équilibre de la justice. Le juge. La fin de la phrase aurait été bien. Tableau voilé. Bah il m'a juste dit rétablir l'équilibre de la justice. Attends, mais t'es parti. Débarrasse le monde de tous ceux qui osaient entraver. Il y a des tableaux. Alors, il y a quoi? T'as cliqué sur les tableaux, ça vous fait une petite scénette qui vous explique un truc. La pomme. Déjà, moi, je ramasse le cristal viridien déjà. The painting depicts a red-haired man stealing a shiny apple from a cart in an open. Ah, mais faut trouver c'est quoi la scénette? You know this market. The wide. La scénette te raconte une histoire, plus, enfin tous les tableaux quand okay. Tu les prends bout à bout te racontent une histoire et... Un gars vole une pomme. Il vole une pomme, vole une pomme. Man is portrayed with his cloak's hood lowered, giving an apple to a smiling urchin. Il la donne au gosse. Several other children are huddled behind the one receiving the apple, hands outstretched. Donc un gars donc vole une pomme pour la donner à des enfants. The induction. A red-haired man is depicted in hushed conversation with a duck. She wears a cloak with an unusual symbol on it. Tally marks totaling the number 9. Red-haired man is depicted in the Hall of Wonders, thieving what looks to be a priceless artifact. Ah, vas-y Arda, faut que tu cliques dessus. The chase. Il y a eu un arcane raté. Ouais, pendant ce temps-là, je joue la scène de Katox. Bah, c'est pas grave, tu recliqueras dessus, hein. A cloaked woman, hair dark as a raven, looks on from a safe distance. Un astrolabe d'emprisonnement qui peut contenir jusqu'à 12 djinns. Ça en fait du pantalon. Mmh. Oh, ça a la même chose. A stern judge, his pockets full of coin, orders a red-haired man to the gallows. Je serre le poing enflammé. A shiny apple rests on the ground nearby. Ok, et du coup, la chasse, c'était quoi? Donc en gras, un gars vole une pomme, il le file à des gosses, il a une réunion secrète avec une bonne femme, il va piquer un truc super cher, il se fait coffrer, et du coup t'as un juge qui est plein aux as qui condamne le mec qui a volé la pomme, mais la pomme est de retour en plein centre du tableau. Mais non, la pomme c'est l'astrolabe, non? Non, il a volé... La pomme c'est de retour pour boucler la boucle avec les enfants, quoi. Qui vole un œuf, vole un bœuf, peut-être. Et là, maintenant, je sais plus s'il faut reparler à la statue ou... Je sais pas, je vais parler au juge. Hors de ma vue, d'accord. Non mais là, faut cliquer sur les tableaux, non? Ah, attends, je parle à la statue de Baldur. Ah, attendez. Nettoyer le monde de ceux qui se dressent sur le chemin de la justice. Enfin de... Non, attends, Righteous. Ah, je n'arrive jamais à voir la fin de votre... La vertu. Non, mais il faut mettre un truc dans l'attente du jugement, en fait. Bah oui, mais il y a trois tableaux. Ils sont tous voilés. Ah, attends. Alors, le premier, c'est... Il y en a un qui est... pendu. Mais comment tu sais ça? Parce que je suis fort.
Ah mais non, ils ont tous la même gueule. Oh, c'est bien fait, ils sont forts, l'Ariane. Ah ouais, d'accord, oui, je vois ce que tu voulais faire, t'as bougé les tableaux pour... Ouais. Non, on est le juge, hein. Est-ce que j'aurais pas un petit parchemin pour le pousser les ombres? Obscurcit les peintes. Alors, il est immune à tous les dégâts. Oh, pas drôle. Attends, il est immune à tous les dégâts. Attendez. Est-ce que j'aurais pas un petit parchou là? Alors, il y a écrit qu'il est. Il se fond dans les ombres. Il a Dark Vision, Etherien. Enfin, Etheré. Mais je vois pas le. En fait, je vois pas ce qu'il faut faire. Non plus. C'est un peu le problème. C'est pas un truc de. Bah, regardez, parchemin de bourrasque. Hein? Ouais, vas-y. Je vais scinder la pile de l'objet. Fermé, voilà. Je vais lancer. Alors, comment on fait? Lancer le sort. Faut bouger le juge, mais. Ça n'a rien fait. Je pensais que ça allait dévoiler le tableau voilé, mais que dalle. Ah non, mais pour moi, faut foutre un tableau dans l'attente du jugement. Oui, mais lequel? Mais le truc, c'est qu'on peut pas les enlever. Non, mais c'est juste que si tu prends un tableau, tu vas le mettre à la zob sur... Mais non, parce que tu peux même pas le bouger. Ouais. Et les tableaux dans le mur, tu peux pas les enlever aussi, du coup? Non. Il faut se débarrasser des ombres. Les ombres sont... La lumière. Provoquée par... Kikibi. Ah, tu peux juste lancer un silence au pire. Toujours pas. Qu'est-ce que je peux faire? À part un truc qui disparaît. Okay. J'ai que dalle, hein, moi. Attends, je vais essayer de mettre ma torche par terre, si je mets ma torche par terre. En fait, je comprends bien qu'il faut faire quelque chose, mais le problème, c'est que... Pour moi, faut mettre un truc dans l'attente du jugement, mais on peut pas bouger les tableaux. Non, mais il faut se débarrasser du juge, surtout. Mais le juge, on peut s'en débarrasser que... Oh, attends, il y a une idée. Mais c'est pas un dégât, c'est pas une source de dégâts qui peut lui faire du mal, parce qu'il est immune à tous les types de dégâts, là. Bah, on est censé le tuer avec la pendaison. Mais t'as pas le... Tu peux pas faire de la lumière solaire, là? J'ai essayé. Non, mais tu lui as fait le rayon de lumière, mais le sort... Y a le sort Sunlight, c'est... On a pas un pare-chaud de Sunlight? Mais ça lui fait rayon de soleil. C'est ce que je viens de faire. Mais regarde, dans le juge, il a une ligne faiblesse au soleil. Donc je pense qu'il faut que tu l'aveugles ou un truc comme ça. Putain, on a pas un truc pour aveugler. C'est déjà tenté. Ah, mais tu lui as mis le sunbeam dans la gueule, mais... Mais c'était parce que c'était une source de dégâts, mais genre juste un truc... Ah ouais, vas-y, la torche peut-être... Dans les pare-chauds là, y a pas un truc. Non, mais c'est pas ça, il doit manquer un truc. Ah, attends, on peut peut-être le bannir. On a un scroll de banishment. Tente. Bah, peut-être fais-le toi, parce que moi j'ai pas tes bonus pour le. Alors... On retire peut-être la sphère de silence, je sais pas si ça bloque pas le truc. En fait, c'est plus que pour moi, ça a pas de sens que ce soit ça, si tu veux, genre. C'est jusqu'ici, à chaque fois les trucs c'était entre guillemets. Tiens, voilà, hop là. Ok. Alors. Attends, je prends peut-être les tableaux. La Attends. Cellule. Attends, je prends les tableaux parce que c'est. Elle les prend pas, qu'on les lise. La pendaison. Il est banni l'autre, et s'il revient et que c'est assombri, on est baisé. Ah, bah non, il est pas revenu. Ok, bon bah je remets les tableaux par terre. Non, le banishment c'est une minute dans ton plan, mais c'est pas un gars de notre plan lui.
red-haired man walks the streets of Baldur's Gate, clad in a billowing cloak. Bah, en gros, t'as. Autre chose, c'est sûr que c'est pas le hanging pour moi, c'est. Bah, est-ce que c'est vraiment lui? Il a l'air de parler à une gonzesse qui. Red-haired man is depicted hanging from a gallows as a crowd looks on. You notice a child falling tear, leaving a trail on his cheek. Je suis pas d'accord. Bah, il a mis la liberté. J'ai mis un tableau, mais c'était pas le bon. Ça se voit. Ah bon, c'est ça, franchement, vraiment, tu l'aurais pas dit, on serait pas rendu compte. Bah, il est quand même en plein sur la pierre, le tableau. Oh, et ils sont aveuglés en plus. Comment ça? Paf! Mais nique-toi, putain! Coupe! Allez, ça dégage! Ils sont bidons, hein! Bah, évidemment, ils sont bidons! Ah! Oh, mais encore plus de copains! Ah! Oh, champion déchu! Oh, c'est quoi boule ça? Boule de feu, boule de feu, boule de feu! Salut, la porte elle est ouverte, hein. Boule de feu, quelle boule porte? De feu. Ah bah super. Pour l'instant c'est toujours pas moi de jouer. Y'a une porte quelque part? Bah là c'est oui, la porte d'entrée. La porte du dragon. Alors non. Bah si, y'avait une grosse tête de dragon sur la porte. Mais y'a encore une porte là après. C'est une des portes qui est ouverte. Bon alors attends, parce qu'il faut que je continue de taper moi. Ouais, vas-y. Y'a un petit pont là, j'avais pas. Moi, si tu te fais counter spell, j'ai des boules. Ah oui, bah j'ai pas eu le temps de le tout lier avant que tu balances un sort. Fallen Ranger. Bah là, en soi, il n'y a plus de mago, donc tu pourras balancer tes spells dans la joie et la bonne humeur. Enfin, il y a des. Ouh là là. Allez, franchement, là, le. Mais je vois pas pourquoi il fallait pas le libérer, le gars. Parce qu'il a quand même volé. Ouais, c'est ça. Genre tu vois, le libérer c'est pas assez, le pendre bon c'est peut-être un petit peu... Ah c'était la cellule quoi. Ouais c'est ça. Bah moi bon, mon avis, hein, des trois tableaux, celui qui est le plus vertueux sans être non plus... Je pas que la qualité de alors, de... Ah ou un genre un mur de feu là non. Je sais pas si j'ai mur de feu. Si j'ai mur de feu. Ouais, non, tout est pare-chaud, il y a bien un mur de feu. Non, mais je l'ai déjà sur moi, le mur de feu. Bah, mais non, mais encore une fois, ça sert à rien d'utiliser tes spells si t'as un pare-chaud. Genre, vaut mieux garder tes sorts. Ok. Enfin, c'est... Arrête, Kaft. Mais non, mais comme ça, tu t'économises un peu tes trucs, quoi. J'aime bien la gueule que ça, mur de feu. Thunder damage. Mais ils sont ici. J'avais pas vu, ils sont vulnérables aux dégâts qu'on tombe. Oui, maintenant on attend qu'ils avancent. Ah bah ils ont passé un bon moment. C'est un peu décevant qu'ils aient pris si peu de dégâts. Oh bah attends, ça va quand même, ils ont pris combien c'était par personne, un truc comme ça? Non, il a pris 25 en plus. Et il est brûlé. Ah, mais c'était pas. Je crois qu'ils étaient vulnérables au feu, mais en fait non. Non, du tout. C'est pour ça, sur le principe, c'est pas si mal. Tiens, allez. Il a pris 26. C'est ah putain, par contre, ouais, il a les Splendid Guardian là, ça va. Ouais, bon fou. Qu'est-ce que je fais? Allez, paf. C'est qui a lancé le... Oh putain, il est super loin. Mais non. Il est où ton mage qui était à côté de toi la dernière fois là? Ah ouais, je l'ai tué. Il y en a un autre qui fait le silence sur tout le monde, c'est un peu chiant. Ouais, il est là. Ou alors tu butes les deux qui sont de côté à côte et je peux peut-être aller le défoncer, mais.
Ça va être une façon de faire. Il a sauvegardé, je suis désolé. C'est pas surprenant, il sauvegarde tout le temps. Moi je m'occupe de l'arrière, hein. je fais le nettoyage. Okay. Ah, le champion déchu, ce serait peut-être bien d'arriver à lui péter son aura de gardien. Je sais pas s'il consente normalement, si. À tout moment, au pire, tu peux les pousser. Hein. Ah oui, non, parce que tu peux pas lancer un spell vu que t'es silence, c'est ça. Ouais, ça va. C'est un état. Bon, tant pis, YOLO. Bon, je peux y aller maintenant. Merci. Bien joué. Salut. Ça me fume que ce soit Arda le plus proche des mobs. Ah, esquive. Non. Qu'est-ce que t'as fait pour arriver là toi? Je me suis TP. Ah. C'est la nouvelle strat. Ah mais avec les super bots. Ouais. Comment ça faire mal là cette histoire là. Ça va être son métier de TP. Oui, oh bah c'est surtout que je vais tuer les 4 autour qui arrivent donc Bon, est-ce que je me ferais pas counterspell la mouille là prochainement? En vrai, tu dois être suffisamment loin. Hein. Ah encore que peut-être. Au pire, tu te mets en dehors de. Hors de vue, hein. Si tu te mets par là, ouais, là où il a ping, normalement tu devrais être suffisamment loin pour pas te faire counter spell, je pense. Ah, surtout que tu brises la ligne de vue, donc normalement tu devrais. Counter spell, t'as pas de ligne de vue. T'as pas de ligne de vue, et en plus il est surélevé par rapport à Arda, donc. Ah bah sinon ici, hein. Non, mais y a pas de ligne de vue pour counter spell de toute façon. Ah, oui. C'est tant que t'es dans les X mètres, enfin dans les règles de D&D, c'est ça, je crois. J'espère que là ça va aller. Ah, si vous pouvez me laisser aussi les ennemis low life, parce que quand je bute un ennemi, c'est comme pour. Ah ouais? Pour Atemir. Bah oui, moi j'ai Savage Attacker. Non, c'est le feat de l'attaque à l'arme lourde. Quand je bute un adversaire, ça me file une attaque supplémentaire bonus. T'as ça? Ouais, quand tu prends l'aspect attaque à deux mains. C'est stylé. C'est ça, quand tu mets un dégât critique ou que tu tues un ennemi avec une attaque d'arme à mêlée, tu peux faire une autre attaque à mêlée comme action bonus. Eh ben, c'est stylé. Oui. Oh, pas mal, la graisse dans le feu, bien joué ça, le mage. C'est beau. On a pas fait des masses de dégâts par contre. Ouais, mais c'est pas grave, c'est stylé quand même. Oh, le con. C'est un bouffon. Par contre, il t'a tapé fort, mais. Ouais, bah c'est pas. L'avantage, c'est que des spells de TP, j'en ai plein, donc c'est pas trop un problème. Mais j'avais un peu la flemme d'utiliser ça, mais bon, au pire, je peux essayer, ça avait l'air drôle. Ah, mais c'est un. Mais c'est quoi ce type, genre le mec il marche dans 4 murs de feu, je sais pas quoi et tout là, vas-y c'est bon. Bon. Ah merde, ça a consommé toutes mes attaques. Oh c'est pas cool ça. Et il est mort. Ah, bon bah, comme ça c'est fait. Comme ça. Maintenant il faudrait trouver une arnaque pour pas crever. Une potion. Non mais c'est trop simple ça. En fait, c'est tellement con. T'as 3 pauvres kiki devant toi qui. Est-ce que tu peux commencer par le. Il est pas. Il y a plus de magicien? Si, magicien défunt. Il est là.
Traverser le mur de feu, c'est pas la merde. Voilà, c'est à dire que sur le principe, ça me dérange pas, Arda, mais j'ai pas vraiment envie de traverser le mur de feu, quoi. On va pas se mentir. En vrai, je parlais à Katox. Ah. Non, je peux pas. Attends, mais quand c'est un counterspell, tu peux plus. Ah, c'est tous tes Eldritch Blast qu'il a. Oui, parce que c'est un sort. You dance, motherfucker. Arda, c'est pour toi. J'ai pas réussi à l'esquiver, mais c'était rigolo. Ouais, je vais pas. Tu pouvais pas l'attaquer à distance ? Non, j'avais plus d'attaque d'action. Allez ! So long ! So long, hein ! Mais y'a plus de magicien ! Ah ! Esquive, tiens, reprends-toi ça dans la mouille. Va bien te faire foutre. Oh ! 25 ! Ah bah, gars, prends ça dans ta mouille. En plein dans sa mouille. Mon renvoi de projectile, c'est pas dégueu, hein. Oui. Voilà, comme ça qu'on fait chez nous. Ouais, ça dégage. Non mais laisse-moi par terre, t'inquiète, vous allez finir le combat bien avant. Oh t'inquiète, je comptais pas trop lever, t'es. Well, ok. Ah bah. Je suis stabilisé, ouais. Attendez, mais c'est avec ça, bougez pas, je vais vous mettre une petite popo. Ah. Je l'ai rendu un PV, ça va, c'est bon. On va faire le combat suivant. Il est assez. Open. Vous aurez droit à une potion supérieure. Bon, espion de feu, il se paraît quand ? Bah, quand t'arrêtes de concentrer dessus, hein. Drop item. Je concentre là ? Bah, je crois, ouais. Là. Ah. Comment je sais que je concentre ? Mais côté, collez-vous bien l'un et l'autre là, non ? Ah, c'est bon, c'est fini. J'étais pas à la concentration. Attends. Tu veux la casser ? Mais non, mais Katox, si tu veux, reviens là ! Que ? Regarde ta vie, espèce de courge. Ça va, tu vas taper ou ? Mais il est trop loin, Katox, il va pas l'avoir. Hein. Attends, parce que là. De deux préférés. Attends, vas-y, viens, on va se foutre là. Voilà, il y a rien par terre, ça va être plus simple. Oh bah là, je pense que vous êtes. Je regarde pas, je vous laisse profiter. Mais qu'est-ce qui nous arrive ? Tiens, attends, moi je me remets une Katox, alors t'as qu'à pas bouger. Ouais, je vais regarder si on a récupéré des possessions sur les. Ah ouais. Si maintenant on met la pendaison, tu crois que ça refait spawner plein de mobs ? Peut-être. Et à quoi ça sert ? On a déjà plein. Enfin bref. Ouais. On a jamais assez de loot. Parce que c'est drôle. Mais pourquoi tu t'en vas ? Bon. Bah, c'est lourd, c'est bien. Ah non, y a pas de. C'est fini. Allez. Passage suivant. Ouais. C'est quoi ce passage ? Je suis ravi d'avoir lancé le combat. Bon. J'ai même pas vu ce passage là. Oh. Ah. Bonjour, enchanté. T'es parti où là ? Sur le côté. Par là-haut là. Oh oh. Ah oui d'accord, c'est. Ah ouais. Eh ben. Alors, du coup ce que je vais faire c'est ça. Ah non mais il y a un mage dans le tas forcément. Alors, évidemment. Comment dire que je me sens pas super serein en étant sur un pont magique alors qu'il y a des ennemis ? Il y a un magicien défunt effectivement. Ouais mais si je me mets loin, il y a moins que je me fasse une fin d'adar. Et qui ne me grille pas. Voilà. Et maintenant, on recule. Et on attend. Mets le tapis dessus. Ferme la porte avec le tapis dessus. Alors Arda par contre, oh purée, la fin d'Adar, je sais pas si elle est placée de façon à ce qu'on se met tous les deux au cac pour leur marave la gueule. Tu leur as mis quoi là ? Une flèche explosive. Moi j'ai ramassé 12 milliards de flèches, donc maintenant je m'en sers. Hein. C'est bon, ça me fait rien. Attends, les flèches explosives c'est super rare par contre. Bah j'en ai encore 4. Oh là là. Mais arrêtez cet homme. Après, si peux tirer tes flèches explosives, c'est très bien. Moi j'irai me mettre au cac, je bloquerai la porte et je leur taperai dessus.
Comme ça, ils peuvent sortir de la fin d'Adar, ils seront complètement. Ah non, possibilité de déplacement insuffisante. Bon, on va tirer sur lui alors. Ah, il y a potentiellement Arda ouais, qui bloque la porte. Ouais. Tiens, je vais me décaler. Ah ouais, mais c'est un. Voilà, bon. Hein. J'espère que je te bloque pas, mais. Le pont magique là. Ouais, hein. Bon, t'inquiète, hein, je me sens pas serein non plus. Pas hyper fat du pont magique, on va pas se mentir. Alors, je te laisse faire ton kiki et si après tu peux me laisser la place pour que je puisse passer, Arda. Je sais pas ce que je vais faire parce que je suis. Par contre, pourquoi on se fight contre des gens là, n'empêche. À portée du magicien défunt là. Bah, tu peux pas remettre un mur de feu? Bah, je vais faire counter spell. C'est un pare-chaud. C'est ça, ah, ça se compte, ça. Ouais, bien sûr. Mais il a pas la ligne de vue sur la fin d'Adar, normalement ça bloque la. T'as dit qu'il y avait pas une question de ligne de vue. Normalement, il y a pas de question de ligne de vue sur le counter spell. Bon, en tout cas, ah, il ouais. On a pas balancé. Hein. Attends, je vais. On va voir. Je vais me reculer. Ah, mais je peux me mettre alors bloquer la porte ou parce que. Attends. Il a quelle tête counter spell comme ça? C'est ça? Alors, c'est là, une je... réaction. Si je me mets là. Non, c'est juste 18 mètres. Y a pas de nécessité de vision, j'ai l'impression. Ouf. Putain, mais t'as des spells Arda, ils sont complètement ouf quoi. T'as essayé ou pas de lancer ton curriculum strategiae là, l'art de la guerre? Ouais, il l'a fait la dernière fois. Oh, j'ai pas fait gaffe. Oh, putain, ça a commencé à me gonfler cet écran là. Oh, j'aurais pu faire ça, c'est où? C'est cool. Hey. Quoi? Un mur de feu. Ouais. Non, mais j'ai cru que c'était moi qui avait fait une connerie, j'étais j'ai pas fait ça moi. Non, t'as pas fait ça, c'est moi qui l'ai fait. Bim, tiens voilà, a pu. Hop là. Ce qui est bien, c'est que quand je clique sur un guerrier défunt, ça m'indique qu'il est mort. Putain, c'est pas précisé encore. Ah, franchement. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, mais je comprends pas là. Ah, oh, d'accord, il y en a un qui est caché sur la petite. Là. Sur la petite corniche, ouais, je pense qu'il doit pas être sur. Hein, et oh. Mais en fait, je sais pas trop pourquoi il y a des mobs. Il y a des. Enfin, c'est normal ou c'est parce que j'ai fait de la merde sur l'épreuve d'avant que maintenant il va y avoir des mobs partout? Alors, moi je les ai pas eu, je pense que c'est parce que t'as fait de la merde sur l'épreuve d'avant. Eh bah, dommage. Je sais qu'il était bien placé ce mur de feu. Eh, on est d'accord, hein. Vous avez vu, je tank. Oui. C'est dingue. Putain. Ou le dernier. Ah, je fais mon boulot. Alors le dernier, comment vous dire que. Allez, si, regarde, ouais, t'es prêt? T'es prêt? T'es prêt? Ouais, regarde. Ah, la cible est trop éloignée. Alors. Je veux dire, j'aurais été enfin un dadar, tu vois. Oh non! Attends, je peux pas lui taper dessus. Oh, c'est vrai que le mur de feu. Oui, mais je peux pas l'éteindre, le mur de feu. Attends, si je le mets à côté, vous pensez que je brûle? Là non, ça va. Ouais, là, ça va, ouais. Ah putain! Tu veux que je me pousse? Bah ouais, je veux bien. Merci. Salut! Paf! Ouais. Et c'est quoi ces trois mobs là? Ça c'est la prochaine énigme. Oui. Tu peux désactiver le mur de feu en bas à gauche normalement de ton.
En dessous de ton avant, enfin de la vignette de ta classe. Bien vu. Amapsted et Suelto. Suavemente. Besame. Besame. Je viens de dropper une armure de plate. Je viens de vider le sac et j'étais à... Ah, je suis plus. Ok. Bon, alors je sais pas pourquoi j'ai fait un jet d'escamotage réussi. Hey, les vertus des unions de Stead. Tech suggérant que, face à une terrible menace, l'union est la meilleure des défenses. Attends, il y a la... Ah, c'est-à-dire que l'union fait la force. C'est pareil, plus évident que les grands voyeurs. Trop de bouquins avec les sardes. Faut qu'il espérait des pare-chauds. Alors normalement ici l'énigme, t'as des bouquins flottants un peu au genre de clé dans Harry Potter qui vont super vite. Et tu dois ouais. les attraper pour comprendre... Je viens d'en attraper un là, ça va bien marcher. Ouais mais il faut les choper pour savoir en fait lequel des trois est le turbo connard. Bah Stead ça a l'air d'aller, enfin c'était... Mais il veut pas. Arrête de cliquer dessus. Faut le taper non? Mais non, faut c'est déjà des escamotages, mais c'est juste que plus tu cliques dessus, enfin... Bon vas-y, tape-le hein. Bah le problème c'est que j'ai pété le bouquin quoi en le tapant hein, mais... Ah! Ah, j'ai ouais, trouvé le dernier. Moi je les avais slow dans ma partie, je sais plus. Et il est où le dernier livre? Je me demande s'il a pas carbonisé dans le mur de feu et dans la fin d'Hadar. Bah, Stead sur le principe, il avait pas l'air super choucard. C'était quoi? Ça racontait que. Les grands royaumes offrent plus d'avantages à leur peuple quand un royaume s'étend, son territoire, sa population et son économie se développent également. Quelques corps calcinés sont à prix acceptable quand un dragon propose de partager son trésor. Voilà pourquoi vous devriez toujours tenter de forger des alliances en cas d'agression par une puissante armée. Les tensions sont inévitables, les droits des citoyens risquent d'en prendre un coup, par exemple. Mais c'est le temps de finir par oublier ce genre de... C'est le même blabla que l'Allemagne en 14, quoi. Attendez, je vais regarder si... C'est quoi les noms des persos? C'est Stead, mais ça s'est fait, il y a Amaps et il y a... Suelto. Book Baldur Skate. Amaps mémoire. My life has been a long succession of pleasure to see my town take to my ideas and seize legal discrimination of local orcs, to see my fights against horrid living conditions in city factories take off. Bon, il a l'air gentil lui. To have the chance to see a new generation take to this idea of a better, kinder, fairer, intelligent world and run with it to new reaches of the continent. It was not a life without struggle, however, I shall regret its failures. My old friend Suelto comes to mind, who adopts such cruel ideology later in life. I will forever console myself in the idea that such a brilliant mind would only conceive such theories under the strain of exile and the promises of reinstatement as she ultimately was. Ah bah du coup c'est peut-être Stead alors le connard. Bah attends, c'est qui? C'est Suelto. Suelto ouais. Ça parle de cruauté quand même hein. Suelto. Ouais mais c'est il dit c'est de la cruauté sous l'exil donc Genre le mec s'est fait exiler, normal que t'aies un peu de remords quoi, tu vois genre. Alors, au pire, j'ai 3 Eldritch Blast, ils sont 3. Christina Suelto, my colleague Amaps proposed fair rules of engagement in time of war and forgiveness upon victory. Are we to spare our enemies then once they have fallen to our might? Are we to put all hatred behind us when surrender is offered? Indeed not. For what shall we do once our opponent gather new armies and masses them once again along our borders, we shall wage another war and count the leave snuffed out by our own magnanimity. Once an enemy kingdom is conquered, it must
It must be raised to the ground. Only then can we be free of his spectre. Bah, c'est quoi l'idée du truc là? Faut les exterminer, pas que ce soit des futurs ennemis. Non, ça je l'ai, mais la statue, qu'est-ce qu'elle dit? Faut trouver l'enculé. Bah, l'enculé, du coup, c'est fort. Moi, je peux pas cliquer dessus. Non, on peut pas cliquer sur la statue. Le truc, c'est que Stead, pour lui, c'est de la résolution quand même qu'il faut, et Suelto. C'est raser un pays entier. Bah, c'est ça. C'est pas super. Parce qu'en gros, dans le bouquin, il dit mon collègue Ama propose des règles d'engagement respectueuses en temps de guerre et de pardon à travers la victoire. Oui, mais c'est plus que. Enfin. Devrions-nous épargner nos ennemis quand ils sont tombés sous notre puissance? Devons-nous mettre toute notre haine derrière nous quand. La reddition est offerte. Et effectivement, non. Parce que sinon, en gros, les ennemis vont refaire de nouvelles armées et vont de nouveau venir se foutre sur la gueule avec nous sur nos frontières. On devrait encore supporter notre guerre et compter les vies. Bon, c'est sur le tour, donc. Ouais. Ça n'a rien fait. Et si tu essaies de leur parler? J'ai tapé, ça a rien fait, comment vous l'avez la pauvre meuf, quoi. Bon, bah il s'est passé quelque chose. Bah non, mais après j'ai l'impression qu'en gros toutes les énigmes ont été pétées parce que a raté une, quoi. Après, ouais, on a fait les trois qui ouvrent la porte, je crois. Ah non, il reste peut-être une autre porte. Il en reste une. Il en reste une. On l'a fait, on l'a fait pas. Bah sûr, on l'a fait. On va voir. Allez. Attends, c'est une porte. Ouais, je peux l'ouvrir. Je peux l'ouvrir à distance, regarde. Non. Ah, on va jouer à... Bah, on est dans Harry Potter ou quoi? Encore des squelettes? Ah, mais en fait une fois que t'en pètes une, t'as toujours les cocos, ils sont toujours dans le coin, quoi. Ah oui, là en gros t'as effectivement ton jeu d'échecs et faut que t'arrives à faire échec et mat en moins de 3 tours, je crois. Mais là, ce que je dis, vu qu'on a loupé le truc, faut juste se recasser la gueule. Et après, en soi, on pourrait ne pas les tuer et aller directement à la fin, mais c'est rigolo de les tuer. Ils sont combien les mobs là? Parce que moi j'en vois que 3. Non, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Oh, le double counter spell. 7. Il y a 2 mages, il y en a 1 là. Ah, ils viennent de counter spell, donc Arda, fais-toi plaisir. Les 2. Non, il y en a qu'un. Ah, les 2. Les 2. Enfin, en tout cas, j'ai vu un truc venir des 2. Ah. Ok, moi j'ai bien fait de pas foncer. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je vois plus de... T'as lancé une boule de feu là ou pas? Non. Moi j'ai lancé un truc de glace pour faire tomber les gens. Ah bah ouais, j'ai balancé une boule de feu au passage. Alors ça a été super efficace parce que ça a fait cramer la zone et donc je vais pas me casser la gueule. Et en plus j'ai fait tomber le gros. On a vraiment eu de la chance, hein. Je peux lui mettre dans la tronche. Et on a tué tous les 3 petits trucs qui étaient à côté. Oh bah tenez, je vais faire ça. Paf. Et quoi? Je l'ai distrait donc... comment vous dire que... Distrait. Voilà quoi. Voilà, c'est bon, là il est bien distrait. Il est distrait à vie. C'est ça. Oh, je peux encore jouer. Paf. Ah mais merde, avec les cristaux on peut pas passer en fait. Bon, ça j'ai jumpé au dessus. Bah mais je peux pas jumper là. Je jumperai au tour prochain. Après tu me diras, il en reste 4 devops, ça va aller vite, hein. C'est dommage, je trouve que quand tu loupes une machin, ça l'efface tout échoué, tu vois. Je savais pas que ça allait... Ça allait tout échouer en fait. Je pensais que c'était juste l'épreuve. Pareil, je trouve ça assez... du coup je trouve ça assez dommage, tu vois. Sur le principe.
Vous avez loupé une épreuve, mais vous avez droit à un bac de rattrapage. Tuez tous les ennemis. C'est vrai que c'est un petit peu espèce de gros barbare. C'est ça, wow, vous êtes bon, trop con. Encore me counter spell, c'est pas très grave. C'est dommage que ça ouais, fait double le counter spell. Dommage que tu ne peux pas counter spell leur counter spell. Normalement tu peux. J'ai pas de counter spell. Faut croire qu'il l'a pas. Counter. Alors attendez, je vais essayer de. Attends. Tu peux le finir? Non, j'ai sauté déjà. Ah. Par contre, pourquoi est-ce que je ne vois plus mon counter spell? Tu feras gaffe, t'es super encombré. À le foutre. Et bon, je le suis plus. Oui, je me demande. Ah bah tiens, c'est bizarre. Tiens donc. C'est fou. Là, j'ai des trucs dans mon sac. Ah mais tu peux quand même bouger les pièces de l'échiquier. Je me rappelle plus, Counter Spell c'est quoi comme... Contre sort. Oui mais c'est quel niveau? Mais tu l'as dans ton... tu l'as préparé hein, c'est deuxième ligne, quatrième sort. Sort de niveau 3. Quand tu fais table dans ton livre de sort là. Effectivement, je l'ai. Après, est-ce que tu l'as activé en réaction ou pas? Ouais, normalement. Je vérifie. Attaque d'opportunité, contre-sort, bouclier, et j'ai projeté. Ouais, j'ai tout. Bon. Pas de counter spell, le counter spell alors. Ah là, c'est bon, on a tout fait, on peut aller. Vous avez tout looté, il y avait des vidéos. Ouais. Pardon. Tiens, pardon, je suis désolé. Ouais. Oh, sachant qu'il est 3h du matin. Putain, tu me dis quoi? T'as regardé? Bah, j'étais là, non, il est pas 3h du matin, mais. Quelle heure est-il? Honnêtement. Ah. Non. Putain, vous m'avez fait peur là. Ah, ça pue. Ah, oh, y'a une statue encore. Ah. Je peux crocheter la porte. Je vais donc crocheter la porte. Mais non, mais parle à la statue, putain. C'est tellement plus simple de crocheter la porte. Ouais, mais l'histoire, merde. Et on l'emmerde. Oui, bah ça, on l'avait compris. Non, nous, on veut la bagarre. A stalwart soul must persevere. With insight, does the hero choose? Guidance born of ancient wisdom proven. Peace, not strife, the undenied conclusion. Ah, on vient de buter genre 150 personnes, mais oui, c'est vrai. Ah, c'était déjà des morts, c'est bon, ils étaient déjà morts. Hein. On les a juste rendus à la terre, c'est tout. La récap de ce qu'on aurait dû faire en fait. Hein? Il nous explique que oui, alors c'est bien, vous savez. Tu sais, en gros, il fait des cours de rattrapage là parce qu'on a été des nuls. Worthy, you are found. Go forth, hero. Seize your fate. Ah, on est digne, il a dit. Great worm. The voice goes silent, having recited its prepared lines as if you'd solved every trial. Vous avez résolu toutes les épreuves. On a résolu fort, hein. Là, c'est. Ah ouais. Il a l'air furieusement mort, hein. Bon, quelqu'un par chaudresse. Je sais pas si j'ai un pare-chaudresse, mais par contre, une chose est sûre. Attendez, moi je vais. Ah, j'ai essayé de le loot et il y a une cinématique. Attendez, je vais chercher mon casque. Ouais. Alors, maintenant, on va rigoler. Paf. Ah ah. Il pince le dragon.
pas être stun, je ne peux pas prendre de critique. Oh, ça c'est pire. Heart of the gate, butchered in flesh, risen in spirit. Alors. Gagak. Putain. Ansel wends his way through your mind like an unstoppable river. Your body is unmoving, yet thought flows effortlessly between you. The spirit pauses, and you feel the astral prism stir. Ansel senses the Emperor's presence within it. Answer me, Facey. Why have you come? Has stirred me as it ever did. Attendez, je me bats avec mon écran. I am awakened. It's been true. Pour l'instant, il se passe pas grand chose. Ouais, ton perso il passe un très bon moment, j'ai l'impression. C'est avec l'UV qui se tape dans les dents, il va avoir les dents toutes blanches pendant au moins 30 ans, quoi. J'aime bien la 3 aussi. Ouais, parce que alors ça, franchement, là vous blessez quand même un peu pour toi, genre la révélation, vous êtes là genre ah oh, ouais. Bah globalement, il l'a appelé Baldurin, il fait ouais bon en fait le mec c'était pas un mec et c'est le dragon qui a tout fait quoi. Bah, je sais pas si c'est ça. Bah du coup. Clique sur le 3 et tu sauras. Ah, l'empereur, c'est lui qui a fondé Baldur's Gate. Voilà, voilà, c'est pas Joel Clodo quoi. Ouais. Bah du coup, je comprends plus rien à l'histoire de l'empereur. Je croyais que c'était un aventurier. Bah oui, mais Baldurian, c'était un aventurier à la base. Il s'est fait de la thune et tout machin, de la moula, et après il a bâti Baldur's Gate avec et en fait son meilleur poteau c'était un dragon. Sauf que après, bah, il a voulu repartir à l'aventure et il s'est fait pécho par l'esprit ruche de. Mais du coup, le Baldurien, il a fondé la ville entre les deux. Bah, il a fondé la ville, il est parti, il s'est transformé en élite quand il est reparti à l'aventure. D'accord. Et genre quand il est revenu, bah vu qu'il avait chopé un mauvais rhume, son pote dragon il était là, ouais bon bah... Oh putain... Et du coup la légende comme quoi il y a un dragon en dessous pour protéger la ville, ouais que dalle. Et en soi... Ah je suis content de me battre avec un lutte dans le dos là. Ah. Alors, attendez, parce que là, voilà, regardez un petit peu les PV du bordel. Est-ce qu'on peut le pousser dans le vide, tu crois? Alors, moi le problème c'est que j'ai zéro de ki.
Mais bon, on va pas ah se laisser. Ah oui, mais si. Ah, putain, si seulement il y avait pas quelqu'un qui avait fait une boulette avec un petit repos court là. Et oh, j'avais pas fait gaffe que j'avais pu toute ma vie. C'est un problème. Mais c'est pas grave, on va se débrouiller comme on peut. On a un tour et on a deux myrmidons de l'eau. Ah, bon. Peut-être que. Ils sont où? Est-ce qu'ils sont proches du vide? On va faire ça. Oh, ils sont loin. Ensuite. Oh, ils sont perpètes. J'ai toujours rêvé d'utiliser sort. Donc c'est maintenant. Voilà, je sais pas à quoi ça sert, mais ça a l'air rigolo. Et Et après, je vais pas vous cacher que j'ai un truc qui traîne dans mon inventaire depuis un bon moment. Ah, c'est par contre, je suis à des avantages. La flasque en fer. C'est alors, non, je te rassure. J'ai des trucs avant, regarde. Là, déjà, toi, hop, pas d'attaque d'opportunité. Voilà, ça c'est fait. Ah oui. Il prend pas énormément beaucoup de dégâts là. Comment ça que 9? Attends, je viens de lancer une flèche. Tous les dégâts reçus sont réduits de 4. De force, 10 de dex, 23 de constitution. Il a 19 de CA. Il a des résistances nécrotiques. Il est immunisé à la foudre et aux dégâts de poison. Très notable, écaille de dracocyre supérieure, tous les dégâts reçus sont réduits de 4. Allez, sur ce, je vous dis ciao, au prochain tour, on se revoit avec de la chance. Ah putain, c'était un... Merde. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, attends. Je croyais que c'était une action bonus, mais en fait non, c'était une action tout court de mettre la protection. Alors par contre, faut pas faire d'attaque électrique, hein, si jamais. Alors, piercing, damage... PAF! Voilà! Une perforation des faibles. En 3 tours. Ça va faire quoi, ça, perforation des faibles? Eh ben, je vais pouvoir lui mettre deux fois plus de bagarre dans la gueule. Alors moi, je peux vous dire un truc, hein. Au tour prochain, il prend deux flèches contre les dragons, il va passer un mauvais moment, hein. Ah bah, je le mets au cac, moi, et paf, je passe mon tour. Il est résistant à la magie, le fourbe. Je suis très triste. J'espère juste que ce con, il va pas s'amuser à se balader. Mais pourquoi il y a des myrmidons, là, en plus? Je vous avais dit qu'il y avait deux myrmidons. Ah oui, mais c'était loin. Ah oui, mais ils peuvent se TP. Je vois ça. Ah, et puis ils ont fait de la glace sur le sol, les bâtards. On est bien paqués en plus, tous les trois là. Alors, clic droit, examiner. Qu'est-ce qu'il a comme truc Résistance au renvoi. Forme immuable, résistance à la magie. Ok, alors est-ce que je l'aurai un petit parchou, les familles, puisque on m'interdit d'utiliser mes sorts. Il est de mauvaise foi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas lui faire une petite désintégration des familles là, histoire de bien le calmer? Il a une résistance à la magie, hein, ça lui fera peut-être pas grand chose. Comment ça, il a une résistance à la magie? Où c'est que tu vois ça? J'avais pas des parchemins de désintégration, moi, pourquoi j'en ai plus? Ah mais non, mais attends, résistance magique, il a l'avantage au jet de sauvegarde, mais après ça veut pas dire qu'il va pas prendre du tout de dégâts. J'avais des parchemins de désintégration, ils sont passés où? Moi j'y ai pas touché, hein. Dans ton cul-sac. Là, hop, lancez le sort. Putain, il est blind. C'est qui l'a aveuglé? Ah, il est dans des ténèbres. Ah, c'est malin ça. Là, c'était, je voulais pas me prendre une attaque d'opportunité en barrant, je t'avoue. Putain, j'aime trop cette musique. Allez Arda, balance la sauce. Parce que là, si je balançais le sort comme un schlag, je passais dans la dans la glace. Et on sait ce qui se passe dans ces moments-là. C'est sûr que tu pètes la gueule, ça c'est sûr. Ouais. Possibilité et de déplacement. Avada Kedavra, c'est parti. Pourquoi est-ce que ça me dit possibilité de déplacement insuffisante? J'ai 49% de chance de le... C'est un sort d'allance à 9 mètres. Chemin interrompu. Bah visiblement je ne peux pas le caster sur... Putain, c'est l'ombre. Ça doit être l'ombre qui te bloque attends, la ligne de vue. Attends. Il y a un monde où ça passe.
Allez, 73 PV, c'est pas mal quand même. Ouais, ça se respecte, hein. Il y a de quoi faire. Sur un 50 à 100, moi je dis c'est honnête. Ah, c'est bien, c'est quand même par contre, est-ce que je me ferais pas une petite foulée brumeuse là pour m'éloigner? Ciao, bye. Bon, oh, allez, je tente la chance. Bah, vive les gides arcaniques, hein, j'ai envie de te dire. J'ai rien appris. Je suis ravi d'être à un endroit vraiment où ça, personne ne fait attention à moi, ça me va bien. Bon, allez. Viens là, mon coco. Oh, je m'en fous. Bon, j'espère que je vais pas me casser la gueule, hein, parce que si jamais je me casse la gueule, c'est vraiment honteux. Ah, non, attends. Hop là. Alors, est-ce que je peux lui mettre... Oh, attendez. Ah, putain, je suis pas assez... Non. Ah, il a plus ton truc de piercing, là. Quoi? Mais ça durait 3 tours, c'est quoi ce délire? Oh, j'ai envie de crever. T'es sûr que c'est 3 tours et pas 3 attaques? Non, non, c'est 3 tours. Bah, y a plus, il hein. s'est peut-être mis un petit truc pour changer son état. Hein. Un petit dispel. Alors, distrait, ça fait quoi? Prête pas attention à ce qui l'entoure. Attends, mais quand on est dans les ténèbres, on n'est pas censé être caché? Caché, bah, peut-être pas. Manifestement. Non, t'es juste aveuglé. Je sais pas comment ça marche, Blink. Je comprends pas pourquoi ça me TP pas dans le plan astral là. Oh, non, ah oui, il vient de se prendre 300 dommages dans la gueule là. Vas-y, mais Blink, ça me TP jamais là. Je crois que Katox t'a pris très cher. Aïe. Il y a Katox qui a fait prout. C'est ça. Pourquoi il m'a lancé un sort de heal? Il a pas fait exprès à mon avis, parce que l'élémentaire de... Enfin le myrmidon d'eau, quand il balance son aura, il soigne dans le nuage. Sauf si... Attends. Arda, j'irai soigner Katox. Ah Ouais, mais si le dragon il la tape, on est niqué. Bah, enfin, c'est plus comme j'ai deux actions vu que j'ai pris une potion de speed. Techniquement, peut-être qu'il peut s'en sortir. Ah, fais comme tu veux. Je vais tenter. Tu es assez vite, ça va. Pof. Pourquoi cette fenêtre ne veut pas rester plus haute? Quand elle chante, que j'adore. Mais du coup, t'es allé choper où ton casque là? Par un petit hôtel. Et il fait quoi ce casque que t'as chopé là? Il empêche que je me prenne des attaques critiques dans la gueule, il empêche que je sois stun, il me rajoute un d'armure, de classe d'armure et au jet de sauvegarde et je gagne 2 points de vie au début de chaque tour. Le mec il se plaignait, gna, il a 23 de CA quoi. Oh, ah, mais ça, c'est parce que j'ai pris la. Non, mais j'ai pris la popo de vitesse. Ah. Normalement, je suis à 21. Ok. Je vais tenter une boule de feu, je sais pas si ça va te toucher, mon petit. Il a des PV au pire. Ma foi, là, je pense que si je me prends des dégâts, de toute façon, l'avantage que tu touches les deux élémentaires d'eau est plus intéressant. Donc, Là, je touche les trois, là. Ouais, mais je te touche aussi. Oui, bah, en même temps, ils sont amusés à venir me faire. Il va esquiver. Ils ont fait un petit sandwich. Ah, du tout. Ça fait du bien, c'est... C'est délicieux. Ça réchauffe. Ouais, oh, j'ai... Ah, oh, putain, t'as pété le cristal à côté, donc j'ai gagné une résistance à tous les dégâts élémentaires. Ouais. Mais est-ce que les autres, ils ont aussi gagné ça? Alors, comment dire que... Il y a un des deux myrmidons, oui. C'est un oui. Non, mais il y a juste un des deux myrmidons, c'est pas grave. Alors, par contre, je vais peut-être m'éloigner du rebord. Ouais, ça peut être le... Oh, ça peut être...
J'ai de la glace sur moi, mais putain. Saute. On parie combien que tu tombes? Oh, bien joué le jump. Par contre, t'es pas très, t'es pas très joueur. Qui est en train de crever la gueule ouverte par terre. Ah. Bon, je... c'est pas grave. Ah. Ah. Bah salut. Qu'est-ce que c'est? Alors, comment vous dire que... Ouais. Attends. Pousse... Ah, tu peux pas te pousser, Arda? Bah c'est bien dommage. Ah non, je peux pas me pousser. C'est pas grave. Attends, enfin, je suis comme ça. Non. Là, ici. Ah ouais, je suis aussi dans l'aura. Est-ce que... Bah, non mais... Je clique. Voilà. Tiens, attends, Katox, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça ensuite. Ah, si on fait ça comme ça, on peut pas, c'est nul. On peut faire ça avec ça, pas plus. Attends, donne-moi 2 secondes, hein, Katox. Regardez la pile. Sinon, je me cache derrière un cristal, ça. Ça marchera pas parce que globalement. Attends, avant de bouger. On fait un test. Oh, c'est le GG ça. C'est bon. Ensuite, toi, Jackie la frite là. C'est bon, je peux partir. Ouais. Attendez, je teste si là. Non, on est toujours dans la OE. Hein. Pourquoi elle est où la OE? Ah, tu vois les éclairs autour de toi qui... Ouais. T'as une petite icône colère d'en dessous. État, un bah, terrible moment, j'ai pour. Et on se foutait de ma gueule, foutez-vous derrière un cristal. Moi je l'ai pas. Ah, c'est con. Bah je l'ai plus. Ouais. Tiens, voilà, classique de mec qui a fait plein de raids sur WoW. Écoute un peu le raider. C'est le classique. T'as une AOE en préparation, tu te mets derrière un truc solide. C'est le prochain tour? Ah non, c'est bon, c'est pas le prochain tour. Wow, m'a servi quelque chose. C'est pas le prochain tour? Non, c'est dans 2 tours qui... Attends, je vais me mettre dans un derrière un cristal qui a tous ses PV pour le coup. Attends, parce que si c'est pas le prochain tour, moi je lui balance encore une petite désintégration dans le. Alors, cas. Ouais, mais regarde, c'est résiste. Ouais, il a résiste à tout, là. Après, tu me diras, oh. Bon, il a pas de résiste à mes dégâts de feu, mais... Ah, je suis un peu dégoûté quand même que mon truc, il est sauté... Est-ce qu'il aurait une résistance légendaire qui aurait fait sauter le truc? Je sais pas, mais. Bah, je pense parce que sachant qu'il a des actions légendaires, y a pas de raison. Ouais, mais actions légendaires, tu vois, le dragon, il va utiliser son souffle, il y a écrit, mais. Oui, mais du coup, il doit avoir des résistes légendaires aussi, tu vois. Sinon, le nain, il passe son tour. Ah, merde, pardon, excusez-moi. Ah, mais... le myrmidon, il est aussi allé. Non, il est parti faire des dommages à Katox. C'est marrant, je suis à côté. Il m'en veut. Est-ce qu'il est proche du gouffre? Oh bah! Ah, la Nimpo... Il a fait une Nimpo téléportation quoi. Bah, tu t'es encore plus caché, Katox. Je suis. Voilà, il le fait qu'un avec le sol. Par contre, c'est con parce que je t'ai aidé en plus de lancer une potion, j'aurais juste pu lancer une potion en fait. Ça aurait été plus efficace comme truc. Enfin bon. Cache-toi, Arda, vite! Bon, quand même. Moi je suis allé me casser à l'autre bout de la map alors que j'aurais pu me mettre juste là. Ouais. Alors c'est pas grave, hein, j'ai encore le temps pour trépaner le myrmidon et me mettre là-bas. Quoique, est-ce que je resterai peut-être pas avec Katox histoire de lui servir de bodyguard? Ah bon bah bisous hein, les mecs, c'était un plaisir de vous connaître. Oh ouais, j'ai pas mort. Oh mais ça. C'est incroyable! Par contre, tu feras gaffe, t'es dans l'électricité, Arda. J'ai envoyé une égide projetée. Qu'est-ce que. Mire, c'était pour ça. Ah, merci. Tu veux que je termine le myrmidon de. Ah! Ouais, bah, si. Ah, ouais, attends. Alors, vous savez quoi? C'est la première fois de tout le combat que je passe dans le plan éthéré. Mais non! Bah, t'as un PV? Bah ouais, je suis invincible en fait, tu peux pas me faire mal. Alors... Mais le truc c'est que j'ai pas joué du coup. Parce que je sais pas pourquoi en fait... Ah mais si, c'est la potion de speed qui m'a stun et donc du coup plan éthéré. Tu l'as buté?
Non. Il me reste 14 PV. Ah. Bah hop. Voilà, ça YOLO. Je vais venir ici. Est-ce que si je jette la popo, ça nous soigne tous les deux? Fais gaffe, il y a des coups de foudre qui vont tomber. Hein. Bon, je teste un truc. Hein. Si jamais il n'y a aucun de nous deux, c'est un échec. Et puis, bah, dommage. Super. Arda, c'est à toi de... Bon, bah, voilà, c'était... C'est à toi... Enfin, faut que tu bouges, Arda. Ouais, mais le goat avec ses jumps à chaque fois, là. Attends, mais je peux pas sauter, moi. Ah, putain, non, je suis sur la glace. Et ouais. Mouvement divisé par deux. Bah, tu peux pas te déplacer pour sortir de la glace? Non, j'essaie de jump, mais... Et tu peux pas juste te déplacer là avant de jump? Voilà. Ouais, mais là j'ai plus de... Est-ce qu'il a encore toutes ses résistes, l'autre? J'ai pas l'impression. J'ai plus de mouvement. Non, c'est bon, il les a perdus. J'ai pas une flèche de TP. 73. Oh, mais comment tu tankes? Ah, mais c'est Arda notre tank, en fait. Ah, t'as pas une flèche de TP à tout hasard? Si, j'ai ça, je te file. Ah, ou une... Attends. Non, y'a pas de popo de téléportation. Y'a pas des pare-chauds? On a des pare-chauds de téléportation. J'ai aussi. Dans mon sac, sac surprenant sac à dos d'aventurier, là, le sac tout en bas, là, y'a dedans. Plutôt plaisir, c'est à toi. J'ai utilisé ma petite batterie arcanique pour lancer un sort qui ne m'a rien coûté. Ah, bah attends, ouais, t'as un Misty Step. Je peux te prendre le Misty Step? Ouais, vas-y. Merci. Misty Step U! Bonjour. T'es pas dans les cercles bleus, hein, ça va tomber. Hein. Ouais, non, je suis con, mais quand même. Marchez pas dans le feu. Est-ce que... Marchez pas dans le feu. Qu'est-ce que... Ah bah attends, je vais faire ça, tiens. Paf. Tiens. Ouais. Ouais, hey. Attends, est-ce que ça se stack les deux? Ah non, merde. Ah, c'est con, ça. Il est provoqué. Ça, je suis en train de lui chatouiller les côtes, là. T'es en train de le suriner. Ah, non, mais... Non, c'était pour déconner. Ah, je suis choqué. Encore? Ah, bah, il est venu à côté de moi, hein. Ah, l'enfoiré. Ouais. Ah, ça va. Comment je vais le défoncer? Ah! Il est parti où? Ouais. Pense à un pot de cristal. Rien à foutre! Ça existe pas, tes sorts de merde! Ah, mais t'as été stun avec ta hâte. Ouais. Ah putain! Ah, ça c'était joli. Ah, mais c'était le. Bon, c'est bon, vous pouvez venir, il a plus de spell. Ah, comment dire que moi, vu que je suis stun à cause de la hâte, je peux pas faire grand chose. Ouais, mais en tout cas, je vais donc sauter les birmiers. Hein. Oh, balance des super rayons magiques là. Ah. Ça lui a rien fait. Mais t'avais pas? Mais ouais, parce que c'est. Il fait moins 4 à chaque source de dommage en fait. Ah, mais oui, je suis con. bah oui, c'est un spell. let's go. Tu lui as fait 2 points de dégâts. Alors que j'ai gâché un slot de niveau 5. Oh yes, le plan est terré, let's go. Mais vous passez vraiment un super moment là-bas. Hein. Ouais, on s'amuse comme des fous. Putain, mais le plan est terré, c'est goldé. Hein. Oh yes, il est revenu vers moi. Oh, ça c'est. Allez, en plus, il s'est mis en contrebas. Il m'a sorti de l'éclair, je crois. Ah bah non. Non. J'aurais dû fermer ma gueule. Bon, ouais, c'est pas grave. En vrai, il est stylé le fight. Attendez, j'utilise mon vrai sort. Ah, pardon. Bon, au moins j'ai pas gâché un sort. Je suis désolé. Bah, allez, lootez-moi ça. Ah, mais d'accord, mais y'a pas que moi qui lui ai tapé dessus. L'épée. Donc, l'épée est bien baldurière. Vas-y, mais c'est encore un truc pour lui là, ça saoule. Ouais, voilà, maintenant on va faire la bagarre. Maintenant ça parle.
Alors, on a commencé l'épisode, le gars était full rose. Maintenant, il est pas full rose, il est full rose. Et en plus de ça, il a deux objets légendaires de plus, quoi. Ouais, ça y est, c'est bon, bah c'est, j'ai fini, là, c'est bon, j'ai mon stuff de final. Il y a peut-être juste l'arbalète que je peux changer encore. Mais bon, ce serait de montrer un petit peu tati. Ouais, tu, il y a une cinématique. I grew restless again. The sea called to me, and I ran to her with open arms. Life at sea was not easy. Our last adventure was ruinous. My ship was destroyed, my crew lost, but my spirit was far from broken. I was determined to return in triumph once again. I heard of treasure in Moonrise. I strove to find it. What I found was an illithid colony, where I acquired a tadpole much like yours, and became a mind flayer, enthralled to the Elder Brain. It was Ansor who found me. Ansor who pulled me from the Brain's domination. Ansor who brought me home. He sought to cure me of my sickness. Called on every healer he could find, nearly broke his spirit in the attempt. Stylé le dragon. But he failed to understand. I wanted no healing. I was not sick. C'est un grand malade au contraire. Of course I do. Oh non, t'as répondu avant. C'est triste. En même temps, on tue pas un pote sans lui demander, quoi. Est-ce que je suis prêt de te tuer ? Ça demande des choses. Bah, après, son pote, en soi... Ah, du coup, on a fini la quête de la meuf qui voulait qu'on aille libérer le dragon là ou je sais pas quoi. Là. Est-ce qu'il y a quoi à loot ? Eh, vous savez quoi ? Ça fait déjà 1h13 qu'on y est. On fait la fin de l'épisode là. On loot toute la zone et ensuite on repart. Alors, j'ai looté le casque et j'ai looté l'épée à deux mains. D'accord. Bah, dans tous les cas, on s'arrête là. J'espère que l'épisode vous aura plu. On se dit à très bientôt pour la suite. Des bisous. Des bisous. Tchou tchou. Salut.